Il faut retenir la nouvelle interface et voilà les quatre points, vous pouvez les noter. Cette fois-ci, c'est plus clair. Voilà les quatre points, c'est qu'elle est plus visuelle, plus collaborative, la navigation est simple, les écrans sont interactifs et faciles d'accès, et il y a un focus qui est fait sur les points essentiels de suivi de projet. Donc, ensuite, les points d'attention, j'en ai parlé pour le chef de projet. Et le responsable de ressources, du coup, oui, il va vérifier, il veut savoir si ces feuilles de temps, les feuilles de temps des ressources sont soumises et approuvées. Sur quel projet est-ce que l'équipe travaille? Donc, il a les réponses dans le menu personnel, feuilles de temps. Quelles sont les demandes de dotation en personnel entrantes? Donc, on a un nouveau menu qui s'appelle plan de dotation en personnel qui répond à cette question. Donc ensuite, on a le membre d'équipe qui voilà, se pose des questions par rapport à ses tâches. Quelles sont les tâches qui me sont affectées? On a un menu Mes tâches qui répond assez simplement, assez clairement à cette question. Dans quelle mesure mes tâches affectent celles de mes collaborateurs? On a le jalon suivant dans la mosaïque de projet. Quelles sont les dates d'échéance de mes tâches et les éléments requis pour les finaliser? Et on a le menu point exécuté qui répond très clairement à cette question. Encore une fois, je vous invite vraiment à noter ces petits points, ces petites questions, et vous verrez les réponses au fil de la présentation. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On prendra un petit moment à la fin de la présentation pour répondre à toutes les questions. Donc, on commence notre immersion avec, bien sûr, la connexion au niveau de la NIR Clarity. Alors, classique, vous avez un user et un mot de passe pour vous connecter. La petite nouveauté à ce niveau, c'est vraiment l'interface qui change de couleur. Et encore cette couleur, vous pouvez la définir. Voilà, c'est des questions de paramétrage que vous pouvez définir à votre goût. Donc ensuite, une fois connecté, vous avez le choix de configurer votre compte en choisissant notamment un avatar. Voilà, vous pouvez choisir un avatar en mettant votre photo si vous le souhaitez. Et vous avez aussi le choix de changer l'unité de mesure en mettant par exemple voilà, les jours qui est plus fréquent dans l'environnement francophone. Vous avez aussi les options de paramétrer les unités de mesure en heures ou en ETP. Donc voilà, vous avez vraiment la main à ce niveau-là. Ensuite, on va rentrer dans la navigation et l'outil vraiment principal commun à tous les composants de cette nouvelle interface, c'est la grille dynamique. Et cette grille, vous la retrouvez dans différents menus. Voilà. Donc, c'est vraiment un composant principal commun de la nouvelle interface. Et cette grille, elle comprend, enfin, vous avez dans cette grille la liste des projets, par exemple. Vous avez la possibilité d'exporter les données au format CSV, de filtrer les informations qui sont présentées via l'icône de filtre. Et vous avez aussi le choix de paramétrer l'affichage voilà, des champs que vous présentez. Ensuite, vous avez aussi deux volets sur la droite. Donc, c'est aussi un aspect qui est en focus sur la facilité de navigation. Vous avez ces deux volets de droite qui vous permettent, juste en cliquant sur une ligne donnée, d'avoir le détail de la ligne et de la mettre à jour. Voilà. Donc, la grille dynamique composant commun, facilité de navigation. Ensuite, dans la gestion de projet, lorsque vous vous connectez, l'écran que vous avez, en général, c'est cet écran-là qui vous affiche les étiquettes de projet. Voilà, vous avez beaucoup de couleurs avec différents focus sur les points essentiels de suivi de projet. Donc, vous avez deux types de vues. Vous avez soit la vue en type de mosaïque, soit la vue sous forme de liste. Alors, la particularité de la vue mosaïque qui est largement, je vais dire, utilisée, c'est qu'elle vous permet d'avoir un visuel plus sympa. Voilà, vous avez des couleurs par projet, par type de projet. Vous avez un aperçu de la progression de tous les projets, notamment à travers la chronologie du projet. Donc, vous avez la petite ligne qui vous marque voilà, les dates clés. Vous avez l'effort consacré, le budget dépensé, le jalon suivant et les membres de l'équipe. Donc, juste en vous connectant sur votre page d'accueil projet, vous avez toutes les informations clés sur les projets que vous suivez. Voilà. Donc, ensuite, pour la création de projet, on est encore dans la navigation simple. Il vous suffit de cliquer sur un petit bouton plus, voilà, pour créer un projet, ou cliquer sur le bouton créer à partir d'un modèle pour créer un projet à partir d'un modèle. Donc, voilà, l'accent est encore mis sur la facilité de navigation au niveau de la création de projet. Ensuite, lorsque vous créez votre projet,
Vous avez différents menus, voilà. Et pour naviguer au sein de ces menus, bah, c'est simple, il suffit de cliquer d'un menu à un autre. Donc, vous avez le bandeau de menus qui vous présente tous les menus disponibles au sein du projet. Alors, le menu propriété. Donc, on va commencer par le menu propriété qui est bah, le premier menu, je vais dire, qu'on aborde une fois le projet créé. Et là encore, pour mettre à jour ce menu, bah, il suffit de remplir les différents champs qui sont affichés. Il n'y a pas vraiment de paramètres. Enfin, c'est assez simple, en fait, en termes de remplissage et de renseignement des champs. Encore une fois, il faut disposer des droits, bien sûr, pour modifier les propriétés de projet. Mais voilà, c'est assez simple de renseigner les champs. Ensuite, au niveau du menu personnel, vous avez la possibilité d'allouer des ressources au projet, donc des ressources de type main-d'œuvre ou rôle ou encore des équipes, mais on verra par la suite. Donc voilà, ce menu vous permet d'ajouter des ressources à votre projet de manière aussi simple. Voilà, il suffit de cliquer sur le bouton plus ou voilà sur ajouter du personnel. Et dans la liste, vous avez la vue de type grille encore qui se répète. Donc voilà, avec la liste du personnel, la possibilité de filtrer sur vos champs. Donc, ensuite, une fois que j'ai mes ressources pour ajouter des tâches au projet, encore une fois, il suffit de cliquer sur le menu tâches. Vous avez la liste des tâches du projet qui s'affiche. Alors, la particularité au niveau de cet écran, c'est que vous avez le choix au niveau du type d'affichage. Vous pouvez choisir d'afficher les tâches sous forme de liste, comme sur cette image, ou sous forme de Kanban, donc sous forme de carte qui vous permet voilà, de voir le workflow des tâches. Et vous avez aussi la vue Gantt. Donc voilà, c'est encore le choix au niveau de Broadcom de faciliter la navigation et l'utilisation de l'outil derrière. Voilà. Donc, toujours dans le menu des tâches pour affecter des ressources. Très simple, il vous suffit de cliquer sur une tâche et dans les volets de droite, on en a parlé dans les slides plus haut, de cliquer sur le volet détail et vous avez un nouvel onglet qui s'affiche avec différents sous-menus. Donc, vous avez le menu détail de la tâche, vous avez les points à exécuter et les affectations qui vous permettent du coup d'affecter des ressources à la tâche que vous avez identifiée. Donc voilà, une fois de plus, c'est interactif, c'est dynamique, enfin, c'est dynamique plutôt, et c'est facile d'allouer des ressources à vos tâches. Ensuite, le plan financier. Alors, c'est classique, hein, et à ce niveau-là, au niveau du plan financier, il n'y a pas grand-chose qui change au niveau fonctionnel. C'est la même mécanique par rapport à l'ancienne interface, mais voilà, juste que c'est plus sympa, vous avez plus de couleurs. Vous pouvez choisir, enfin, vous pouvez basculer du plan de budget au plan de coût comme vous le souhaitez. Et pour créer un nouveau plan de coût, bah, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau plan de coût. Donc voilà, là encore, c'est plus l'aspect visuel voilà, qui est mis en avant. Ensuite, on entre maintenant dans les nouveautés de cette nouvelle interface. Désolée, je me répète un peu, mais voilà, c'est les nouveautés de la nouvelle interface. Le menu statut. Alors, ce menu vous permet de définir un peu les éléments les éléments pour définir un peu le statut du projet de manière générale. Donc, vous avez le choix ici bah, de construire votre statut, on va dire, le statut du projet. Donc, dans le volet de juste à droite, dans la roue, en cliquant sur la roue comptée, vous avez différents éléments que vous pouvez inclure dans votre rapport de statut. Donc là, par exemple, on a décidé d'afficher le statut global ou le statut de la planification. Vous avez vraiment le choix au niveau des éléments que vous souhaitez mettre en avant au niveau du rapport de statut. Et là, voilà, pour définir l'évolution des différents modules que vous ajoutez au niveau de cet écran, vous avez le vert pour le suivi assuré, l'aide requise en jaune et le compromis en rouge. Donc voilà, vous avez des indicateurs de couleurs qui vous permettent de vous repérer assez facilement. Et bien sûr, c'est tous ces éléments que vous constituez au niveau du menu statut peut être exportés dans un rapport au format PDF. Donc voilà. Ensuite, on a le menu conversation qui est aussi nouveau, voilà, nouveauté qu'apporte cette V15. Et ce menu conversation est présent au niveau des projets.
des tâches, des risques, des problèmes, des demandes ou des dotations. Donc, vous voyez que il se retrouve assis, enfin, dans plusieurs menus et apporte une dimension assez collaborative à cette nouvelle interface. Donc, pour s'adresser à une personne en particulier, c'est comme sur les réseaux sociaux, il suffit de préfixer le nom de la personne par un arrobase. Et pour appeler une équipe en particulier, il suffit d'écrire voilà, arrobase team. Voilà, on reviendra par la suite sur le menu équipe. Donc, pareil, au niveau de la conversation, vous pouvez joindre des fichiers. Donc, c'est assez intéressant aussi, ou rajouter des liens. Donc, voilà, le collaboratif est vraiment mis en avant et vous pouvez l'exploiter comme vous le souhaitez au niveau des différents menus que vous avez dans Clarity. Ensuite, une fois que vous avez discuté, voilà, échangé au niveau des différents menus, bah, vous avez la petite cloche de notification qui vous informe bah, de tous les échanges qui ont eu lieu. Et qui vous mettent, enfin, qui vous ont notifié, qui vous ont, bon, les échanges où vous étiez inclus, voilà. Donc, vous avez la possibilité, bah, de suivre tout ça via la petite cloche de notification. Et juste une petite parenthèse aussi, aujourd'hui, dans Clarity, vous avez la possibilité de télécharger l'appli Clarity, bah, qui vous permet, entre autres, de soumettre vos feuilles de temps, voilà. Donc, vous avez cette lucarne-là aussi qui s'ouvre à vous. Et voilà, notez déjà que le menu conversation, en vous connectant, vous avez toutes les notifications au niveau de vos paramètres de compte. Ensuite, les feuilles de temps. Alors, là aussi, c'est une fonctionnalité standard classique de Clarity. Et la nouveauté, enfin, il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais c'est plus l'aspect visuel qui est mis en avant. Donc, vous avez les périodes qui s'affichent juste là, le nom de la ressource. Et vous avez, pour créer la feuille de temps, il suffit de cliquer sur le bouton feuille de temps. Alors, la feuille de temps d'une ressource d'un utilisateur classique s'affiche telle quelle. Comme affiché sur l'écran. Donc, vous avez la liste des tâches, des projets auxquels la ressource est affectée. Et pour remplir la feuille de temps, bah, il suffit de renseigner bah, les jours les jours de la période. Et vous avez une petite jauge juste en dessous là. Vous avez les jours renseignés qui s'affichent au niveau de la jauge et la durée du projet, en fait, là, par exemple, on a 75% qui notifient que voilà, la ressource, elle est affectée à 75% de son temps sur les projets et le reste du temps, bah, c'est du temps administratif. Donc, sur, par exemple, bon, tout ce qui n'est pas projet. Voilà, on va raisonner comme ça. Alors, ensuite, pour le responsable de ressources, il a en plus du menu Ma feuille de temps, de l'onglet Ma feuille de temps, il a l'onglet Révision et approbation qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'ensemble des feuilles de temps, des statuts des feuilles de temps des ressources. Donc, on a les feuilles ouvertes, celles qui sont soumises, approuvées, enregistrées ou renvoyées. Et là, le responsable a la main pour alerter une ressource sur sa feuille de temps. Donc, il y a la petite horloge juste là. Donc, ensuite, sur les feuilles de temps, on a un dernier menu, enfin, un dernier sous-onglet qui est l'onglet feuilles de temps qui offre un aperçu général de l'ensemble des feuilles de temps des ressources. Donc, par exemple, pour la ressource amant-mailleul, on voit les différentes périodes de saisie qu'il a, voilà, différentes périodes de saisie avec les statuts des feuilles et aussi le responsable de la ressource. Donc, en fait, c'est un aperçu assez global de l'ensemble des feuilles de temps des ressources. Ensuite, on a le menu plan de dotation en personnel. Alors, j'en parlais au début de la présentation en tant que menu intéressant pour le responsable de ressources. Alors, au niveau de ce menu, vous avez la disponibilité, vous avez la possibilité de voir la disponibilité des ressources sur les investissements et sur les demandes. Alors, les investissements, j'en reparlerai aussi plus tard. Je garde un peu le suspense, mais retenez le mot investissement. Donc, vous avez la disponibilité des ressources sur les investissements. Donc, en rouge, là, par exemple, on voit que Amar, il est suralloué sur la période de mai 2022 et que parallèlement à Abdessamad, voilà, il a de la disponibilité. Voilà, donc, c'est vraiment un outil pour faciliter la planification au niveau des projets. Ensuite, on arrive sur le menu équipe dont je parlais. Alors, je disais plus haut que en dehors des ressources et des rôles, bah, vous pouvez décider d'affecter
maintenant, donc la réalité avec la V15, on va essayer d'affecter des équipes au projet. Alors, équipe, comme le nom l'indique, hein, vous constituez une équipe avec, par exemple, des ressources telles que vous le souhaitez. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez ajouter ou retirer des ressources à votre guise en fonction de l'évolution de l'équipe. Donc, c'est intéressant, par exemple, de créer des équipes Scrum agile ou, par exemple, de créer des équipes focalisées sur des activités ou sur des thèmes donnés. Et une équipe peut être assignée à un ou plusieurs projets. Voilà. Donc là encore, voilà, vous avez vraiment le choix. Ensuite, on a le menu Mes tâches. Alors, c'est aussi une nouveauté de de la nouvelle interface, je me répète encore. Et au niveau de ce menu, bah, vous avez toutes les tâches de l'ensemble des investissements, des projets dans Clarity. Donc la ressource lambda, le membre d'équipe lambda qui se connecte, en allant sur le menu, bah, il a l'ensemble des tâches qui lui sont affectées au sein de Clarity. Et petite nouveauté, enfin, pas de nouveauté, mais un truc intéressant au niveau de ce menu, c'est la conversation, le champ conversation qui permet du coup de donner un accent collaboratif au travail. Donc, à travers ce menu, membre X d'une équipe, je peux communiquer avec un membre Y d'une autre équipe, enfin, sur un autre projet. Et voilà, ça donne vraiment un ton collaboratif au travail. Voilà. Ensuite, on a les points à exécuter. Alors, les points à exécuter, vous les retrouvez dans les phases, les jalons et les tâches au niveau des projets. On les appelle aussi les to-dos, donc ça se traduit point exécuté, et vous les retrouvez au niveau des tâches du projet. Donc, j'en parlais tout à l'heure dans les volets. Donc, si dans la liste des tâches, je clique sur une tâche et au niveau des volets, bah, vous avez les points exécutés. Et en fait, ce sont des mini-tâches. Ce sont des mini-tâches qui vous permettent de faciliter le suivi du projet derrière. Donc, sur ces points à exécuter, vous avez la possibilité d'allouer des ressources, d'affecter des ressources et de définir des délais. Donc, encore une fois, c'est vraiment un élément pour faciliter le suivi des tâches et le suivi du projet de manière générale. Et un autre menu intéressant, c'est que vous avez la page points à exécuter qui rassemble l'ensemble des points à exécuter sur tous les projets dans Clarity. Donc, une ressource qui se connecte peut filtrer, par exemple, sur son nom et retrouve l'ensemble des points à exécuter qui lui sont affectés. Donc, voilà, c'est assez intéressant aussi comme menu. Donc, on arrive sur les investissements. Alors, j'en parlais un peu au début. J'ai essayé de garder le suspense, mais bon, voilà. Le suspense est levé. Alors, qu'est-ce que c'est les investissements? Précédemment, dans Clarity, vous pouviez suivre uniquement, on va dire, que des projets ou des idées. Mais maintenant, avec la V15, vous avez la possibilité de suivre autre chose que les projets ou les idées. Par exemple, vous êtes dans une entreprise où voilà, vous souhaitez lancer un nouveau produit, bah, vous pouvez décider de suivre ce produit-là, donc Clarity, ou une stratégie ou une chaîne de valeur. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité que Clarity offre de pouvoir suivre autre chose que des projets ou des idées. Et là, bien sûr, vous avez la main, vous avez le choix des types de fonctionnalités standards de Clarity que vous pouvez utiliser pour suivre ces différents custom, comme on les appelle. Voilà, tout ce que vous voyez là, business outcome, objectif, programme, on les appelle des custom. Donc, tout ce qui est autre chose que projet et idée. Ensuite, on a la hiérarchie d'investissement. Alors, la hiérarchie d'investissement, c'est aussi un new item de la nouvelle interface et qui vous offre en fait une vue à plat de l'ensemble des investissements dans Clarity. Donc, alors, vous avez le choix au niveau de ce menu, bah, de définir la manière dont vous souhaitez paramétrer vos projets. Donc, par exemple, là, j'ai des projets en vert, j'ai des cartes en vert, bon, des petites cartes, c'est des projets. Je peux dire par exemple voilà qu'en vert j'ai les projets IT en bleu, j'ai les projets métiers voilà en jaune, voilà j'ai vous pouvez vraiment définir le type de projet que vous enfin la manière d'afficher les informations du projet. Et voilà, c'est vraiment un menu qui vous permet d'avoir des informations à plat et surtout de voir la hiérarchie des projets. Donc vous avez les projets père, grand-père, les projets fils et petit-fils. Et ce qui est intéressant aussi au niveau de ce menu, c'est que vous pouvez afficher des données consolidées. Donc, par exemple, sur les projets, je décide d'afficher le consommé total ou le coût
qui a été, enfin, les coûts prévus sur le projet de manière consolidée. Donc voilà, c'est vraiment un outil stratégique de pilotage qui vous permet d'avoir une vue assez globale de l'ensemble des investissements. Donc l'arrêté, j'insiste sur le mot investissement. Donc ce n'est pas que les projets ou les idées, c'est aussi tout ce que vous pouvez créer derrière en plus des projets et des idées. Ensuite, la feuille de route. Alors, c'est aussi une nouveauté phare de cette nouvelle interface et un outil, enfin un menu de pilotage stratégique. Alors, la feuille de route, ce ne sera pas trop parlant, par exemple, pour un membre d'équipe, mais ce sera plus parlant pour un PMO ou pour une personne qui a un niveau plus stratégique au sein de l'entreprise. Donc, au sein de la feuille de route, bah, vous avez le couloir de regroupement qui vous permet de regrouper des investissements. Donc, par exemple, on peut décider de regrouper les projets à l'étude, les projets en cours, les projets à arbitrer ou les projets terminés. Voilà, je donne un exemple. Vous avez vraiment plein de possibilités. Et là, par exemple, au niveau des cartes, donc des projets, je peux décider de bouger la carte parce que, enfin, par exemple, ce projet-là a été arbitré. Donc, je le ramène du statut en cours au statut arbitré, donc juste en faisant un cliquer et glisser au niveau de l'écran. Donc voilà, vous avez vraiment, je reste vraiment limitative au niveau de la feuille de route. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et vous avez aussi le choix du type d'affichage. Donc là, par exemple, j'ai présenté la vue chronologique, mais vous pouvez aussi afficher la feuille de route sous forme de grille, donc la grille composant dynamique que j'ai présentée plus haut, ou sous forme de Kanban qui vous offre, voilà, qui vous permet de suivre le workflow au niveau des investissements. Donc, un autre point intéressant aussi au niveau de la nouvelle interface, bah, c'est la gestion des droits par attribut. Alors, la gestion des droits par attribut permet en fait d'accorder des droits à des groupes sur des attributs donnés dans Clarity. Donc, par exemple, je veux qu'au sein de mon projet, ce groupe ait accès uniquement en lecture ou en écriture à un champ donné. Alors, vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui avec la V15 assez simplement en allant dans l'administration des projets et en choisissant voilà, dans le champ Access Edit le groupe que vous voulez, voilà, le groupe de personnes que vous voulez à qui vous voulez octroyer les droits sur le champ. Alors, pour finir, avant de passer la parole à Daniel, un petit menu que je trouve très intéressant aussi, qui existait dans l'ancienne interface, mais qui n'était pas très mis en avant, bah, c'est la page des liens, qui est maintenant que vous retrouvez au niveau du menu dans Clarity, donc avec les deux trombones entrelacés. Voilà, donc vous avez la possibilité de créer des liens vers des applications web externes ou internes. Donc par exemple, vous pouvez décider de créer un lien vers l'intranet de l'entreprise ou vers des pages classiques de Clarity comme bah, la page des feuilles de temps ou la page des ressources. Donc voilà, vous avez vu au fil de la présentation que voilà, les quatre points ressortent assez simplement. Donc vous voyez très bien que la nouvelle interface elle est plus visuelle, plus collaborative avec le menu conversation. La navigation est simple avec les différents volets de navigation que vous avez. Les écrans sont interactifs et faciles d'accès. Et il y a un vrai focus qui est fait sur les points essentiels de suivi de projet. Alors je vais laisser la parole à Daniel qui va nous faire un petit zoom sur la VCS. Ok, bah merci beaucoup Maëlle. Ça a été très très dense, très intense. En une demi-heure, donc c'était un challenge quand même, présenter les nouvelles fonctionnalités avec la nouvelle interface. Alors, je vais continuer avec ce qui va arriver avec la V16 en termes de nouvelles fonctionnalités. Alors, juste pour rapidement un petit rappel, là aujourd'hui, donc la version disponible, c'est la 15.9.3. Mi-novembre, donc Broadcom va rendre disponible la 16, et 3 mois plus tard, le mi-février, sera à disposition la 16.0.1. Donc, d'après ce que j'ai pu voir, on reste sur un trend de à peu près une release par trimestre. Donc, on peut s'attendre, comme pour 2021, à avoir sur l'année 2022 4 releases. Alors,
Juste un petit résumé avant. Donc, ce qu'on va aborder, c'est les widgets. En fait, ce sont les éléments visuels en français. Les évolutions sur la vue Gantt, les règles métiers, les évolutions sur la to-do, sur la roadmap et sur les investissements custom. Alors, les widgets, en fait, ce sont donc ce qu'on appelle en français des éléments visuels. Donc, il est prévu de les intégrer dans toutes les grilles d'écran. Donc, ces éléments visuels, comme on peut voir à l'écran, ça sera sous forme de métriques ou de graphiques. Et on pourra très bien, comme c'est un petit peu présenté ici, donc là, on est dans une to-do, mais imaginons qu'on soit dans une liste qui présente les projets. On peut très bien imaginer un métrique qui nous indique en fait le nombre de projets approuvés, le nombre de projets en attente, etc. Donc, grâce à ce visuel, en fait, et ce visuel sera customisable, en fait, on a un rapide tour d'horizon de nos projets, et notamment les projets, évidemment, qu'on a affichés dans la liste. La vue Gantt. Alors, en termes d'évolution, c'est peut-être là où on va avoir, en fait, le plus d'évolution majeure. Alors, typiquement, alors, première grosse évolution, c'est que dans la vue Gantt, elle intègre la planification automatique. C'est quelque chose qui existait dans l'interface classique, et qu'on retrouvait aussi dans OpenWorkbench, mais qui n'était pas dans la nouvelle interface. Donc maintenant, c'est intégré. Autre évolution, et là c'est une nouveauté majeure, je dirais, c'est qu'on va pouvoir importer en masse des tâches dans la vue tâche dans Clarity, dans la nouvelle interface. Donc là aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans l'interface classique. On pouvait le faire plus ou moins dans OpenWorkbench à l'aide du copier-coller. Et là, dans la nouvelle interface, en fait, on pourra bâtir un fichier CSV en entrée et on pourra l'importer au niveau du projet, au niveau des tâches du projet. Autre évolution majeure, c'est la possibilité d'exporter la vue Gantt dans un format PDF. Alors, c'est quelque chose qui nous a été demandé. Donc, ça, c'est une des grandes évolutions de la vue Gantt. Autre évolution, l'affichage des sous-projets et des tâches externes. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans OpenWorkbench. Et là, on pourra afficher en fait les dépendances avec des sous-projets et des tâches externes qui appartiennent à d'autres projets dans la vue Gantt d'un projet. Autre évolution, donc on va pouvoir dans cette vue Gantt disposer d'une colonne qui nous permettra en fait de visualiser en fait toutes les ressources affectées à une ligne, c'est-à-dire à une tâche, sans avoir besoin en fait d'aller dans ce que vous a présenté tout à l'heure Maël, d'aller dans détail et puis ouvrir le détail, cliquer sur affecter pour voir quelles sont les personnes, quelles sont les ressources affectées à ma tâche. Et enfin donc pour la vue Gantt, dernière nouveauté, je dirais, l'affichage de la référence dans le Gantt. Donc là, dans notre exemple, en fait, sur la tâche planning, donc on voit en foncé, en vert foncé, en fait, c'est ma référence. Et en dessous, donc j'ai les dates réelles, les dates actuelles. Ce qui me permet visuellement d'avoir un comparatif entre ce que j'avais photographié, initialisé au début de mon projet et l'actuel. Alors, autre évolution majeure qui se profile avec la 16. Alors, c'est déjà plus ou moins dans la 15.9.3. Alors, je sais, tous les clients ne disposent pas encore de la 15.9 et encore moins de la 15.9.3, mais c'est quelque chose qui a commencé à être intégré à Clarity, donc à partir de la 15.9.3. C'est ce qu'on appelle les règles métiers. Alors, qu'est-ce que c'est les règles métiers? En fait, c'est tout simplement pouvoir définir des conditions sur des attributs, des conditions d'affichage, ce qu'on n'avait pas encore dans la nouvelle interface. Et on va pouvoir mettre des conditions. Typiquement, j'ai deux exemples ici. Si mon champ A est nul, alors le champ B doit être renseigné obligatoirement. Donc ça, c'est des conditions que je vais pouvoir mettre en pratique. Alors, ces règles métiers vont bien sûr, elles vont s'enrichir, donc encore une fois, la 15.9.3 a commencé à porter ces règles métiers et c'est quelque chose que du côté de Broadcom, on va essayer d'enrichir et d'apporter de plus en plus la possibilité, encore une fois, de s'affranchir des processus.
Parce que rappelez-vous, dans l'interface classique, si on veut mettre des conditions en fait, d'affichage, etc., ou si on veut remplir des informations à partir de, d'un attribut déjà enseigné, en fait, on est obligé de passer par des processus. C'est du code, c'est du développement, il faut faire appel à Coprime, etc. Donc, ça peut être contraignant. Ben, là, l'idée, c'est que c'est purement au travers de l'interface. Donc, c'est à la main de l'administrateur fonctionnel. C'est quelque chose d'assez simple. Donc, on va intégrer ces règles de gestion ou règles métiers dans l'interface. Et ensuite, ben, quand on sera dans la nouvelle interface, ces règles métiers ben, vont s'appliquer. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est un gros plus de, avec la nouvelle interface et notamment avec la V16 qui va arriver. Donc, c'est vraiment des éléments, on va dire, clés. Au niveau des to-do's, les améliorations. Donc, alors, jusqu'à maintenant, les to-do's, elles étaient liées à des tâches ou des phases ou des jalons, comme l'avait indiqué Maëlle. Donc, avec l'arrivée de la V16 et dans ses versions, on va pouvoir créer des to-do's, ben, en fait, indépendamment, qui ne seront pas liés à des investissements. Voilà. On aura aussi la possibilité, et là c'est important d'un point de vue visuel, d'avoir une vue de ces to-do's au travers d'un calendrier. Alors typiquement à l'écran, c'est ce qu'on affiche, c'est que ben, en fait on a les jours de la semaine, et moi ben, qui suis connecté, ben, je peux voir ben, tel jour, j'ai une échéance sur tel to-do's, etc. etc. Je pourrais aussi affecter en fait sur des to-do's en fait des partenaires extérieurs ou parties prenantes à mon projet, mais qui ne sont pas forcément des utilisateurs déclarés dans Clarity. C'est-à-dire qu'en fait ces parties prenantes ou partenaires extérieurs seront informés, pourront accéder à la to-do's sans pour autant me déclencher une licence. Voilà, côté Coprime, côté Broadcom, excusez-moi. Et enfin, la dernière nouveauté concernant les to-do's, je pourrais, alors aujourd'hui une to-do's, ben, j'affecte quelqu'un à une to-do, et je ne peux affecter qu'une seule personne. Là, j'aurais en fait la possibilité de faire participer d'autres personnes, d'autres ressources à une to-do's, ce qui permettra en fait de générer autour de cette to-do's une conversation, et donc d'avoir la possibilité d'inviter plusieurs personnes sur la réalisation d'une to-do. La vue roadmap que vous a présenté tout à l'heure Maël, donc en effet ça embarque de plus en plus de nouvelles fonctionnalités. Donc ben, une qui avait été demandée, et en fait ça paraît comme ça anodin, c'est de pouvoir positionner dans la roadmap la date du jour. Voilà. Et ça paraît tout bête, tout simple comme ça, mais c'est quelque chose, c'est un élément, on va dire, qui a été remonté à Broadcom. C'est pour ça que donc aujourd'hui c'est intégré, on le voit au travers de l'étoile, et en fait c'est une barre qui coupe ma vue grande. Il y a aussi la possibilité d'intégrer dans ma roadmap, indépendamment de mes investissements. Rappelez-vous, tout à l'heure, Maël parlait d'investissement, c'est-à-dire que là j'affiche des projets, des idées, ça peut être des produits, etc. Et donc, je peux aussi afficher des éléments clés qui peuvent être des codir, des comex, et les faire apparaître en fait au niveau de ma roadmap. Donc, ce sont des rappels, ce sont des éléments clés qui me permettent de les prendre en considération. Et enfin, j'aurai la possibilité de visualiser pour chacun de mes investissements où en sont mes jalons. Voilà. Donc, c'est la partie orangée qu'on retrouve avec les petits losanges. Dernière évolution et qui elle est aussi majeure, c'est un petit peu comme la vue Gantt, c'est la possibilité de pouvoir exporter au format PDF cette vue Gantt. Donc il y avait toujours la possibilité, un petit peu comme le Gantt, de faire un copier-coller. Alors on s'en sort toujours, mais bon, on passe quand même un petit peu de temps, ce qui est un peu dommage. Donc là, ben, il y a la possibilité comme ça d'utiliser la mécanique de l'outil et de faire un export de ma roadmap sans rien tronquer, etc. Concernant ben, les investissements custom, donc vous vous souvenez, Maëlle en a parlé, c'est typiquement aujourd'hui, on peut créer de nouvelles boîtes qui vont contenir par exemple ben, des produits ou des épiques ou des opportunités. Rappelez-vous, ben, pour mes investissements custom, je peux définir ensuite
des modules ou des fonctionnalités qui sont standards dans Clarity, puis je vais m'appuyer sur certaines d'entre elles en fonction de mon type d'investissement custom. Et donc, je vais pouvoir créer mes investissements custom. Bon, ce que je vais pouvoir faire et que je ne pouvais pas faire jusqu'à maintenant, même en 15.9.3, c'est de produire donc un rapport de statut. Et au même titre qu'aujourd'hui, je peux produire au niveau de mes projets des rapports de statut, je pourrais produire des rapports de statut au niveau de ces investissements custom. Encore une fois, ça peut être des produits, des EPIC, des opportunités, enfin, tout type d'investissement que j'aurais décidé de créer en tant que boîte dans la nouvelle interface. Voilà en termes d'évolution à venir avec la V16. Alors, je n'ai pas précisé exprès, je n'ai pas précisé si c'était dans la 16.0 ou 16.01 ou 16.02 ou 16.03, parce que pour l'instant, l'éditeur n'a pas communiqué pour chacune de ces évolutions dans quelle en fait, version de la V16 elles seront implémentées. En tous les cas, ces évolutions interviendront à partir de la 16.00. Et puis, les évolutions viendront s'ajouter en fonction des livraisons, des releases par l'éditeur Broadcom. Alors, par rapport à ces présentations, et puis peut-être aussi ce qu'a présenté Maëlle, est-ce que vous aviez des questions ? Oui, bonjour, il faudrait être violent. Merci. Ici, en effet, je peux définir mes bornes déjà et je peux définir aussi mes périodes. Ça peut être des périodes mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Et évidemment, aussi, je peux définir mes bornes pour ma roadmap. Je peux dire c'est uniquement l'année 2022 qui m'intéresse ou borner plus largement 2020-2025, par exemple. Alors, la question de Marinda, je vous ai présenté la V15, pas la V16. La V16 sortira le 8 novembre prochain. Voilà. Donc, c'est sur la V15 que j'ai fait ma présentation. Les derniers éléments qui ont été présentés, Marinda, c'est en effet ces éléments-là qui sont déjà en partie sur la V15, sur la V16, qui sont déjà sur la 15, sur la V15.9. Donc, ces éléments sont déjà là sur la 15.9.3. En revanche, ils vont faire l'objet donc d'évolutions, de nouvelles fonctionnalités qui ont été présentées ici. Voilà. C'est ça, c'est juste là la différence. Oui, absolument. En fait, ce paramétrage, ça se fait en fait, alors depuis, c'est encore des actions d'administration qui se font depuis l'interface classique. Mais dans l'interface classique, l'administrateur peut définir des alertes, en effet, alors des alertes dans Clarity, des alertes au travers de la messagerie, de boîte mail des utilisateurs, ou au travers de SMS, si l'application mobile a été installée pour les utilisateurs Clarity. Voilà. Donc, il y a la possibilité, en effet, d'adresser des notifications via mail, absolument. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà dans l'interface classique hein, et qui est reconduit avec la nouvelle interface. C'est encore une fois purement du paramétrage dans l'interface classique. Oui, exactement. On peut faire la même chose. C'est toujours depuis l'interface classique, donc au niveau administration. Et puis ensuite, veiller au niveau du profil utilisateur que celui-ci n'est pas décoché, mais c'est toujours des notifications, des alertes qui se paramètrent depuis l'interface classique. Pas de changement sur l'affichage des feuilles de temps pour le collaborateur. Alors, le collaborateur, il voit toujours ses feuilles de temps. Si ses périodes de saisie sont hebdomadaires, il verra toujours en effet décliner les jours de la semaine. Si on est en mensuel, on verra une période un peu plus étendue. Mais la déclinaison est toujours la même. C'est-à-dire qu'en fait, en colonne, on a les jours de la semaine et en ligne, en fait, on va avoir les tâches sur les projets et on va imputer les charges au niveau dans les cellules. Voilà. Dans la nouvelle interface, avec les feuilles de temps, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup moins de clics, puisqu'on n'a pas besoin de faire des clics enregistrés, validés, etc. Et en fait, dès que je fais ma saisie dans mes cellules, c'est enregistré. Bon, après, je n'ai plus qu'à cliquer sur soumettre, mais dès que je saisis dans ma cellule, un petit peu comme dans d'ailleurs toutes les cellules de la nouvelle interface, dès que j'ai saisi dans ma cellule et je quitte ma cellule, c'est enregistré.
c'est quelque chose. Donc, il peut naviguer dans ces feuilles de temps. Donc, aller, ben, si les périodes sont ouvertes, aller saisir par anticipation. Ou s'il y a encore des périodes ouvertes dans le passé, ben, revenir sur les périodes passées et faire des ajustements ou saisir s'il a oublié de saisir sa feuille de temps. Voilà. Donc, la navigation se fait ici, voilà, avec toujours cette notion de feuille de temps ouverte ou fermée. Donc, alors, est-ce que c'est volontaire de la part de Broadcom? Je ne sais pas, mais en tous les cas, la navigation maintenant, elle se présente de cette façon-là. Alors, c'est intéressant si on a peu de feuilles de temps, en effet, peu de périodes ouvertes. En revanche, si ça vous oblige à revenir 2, 3 ou 4 mois en arrière et vous êtes sous forme de période hebdomadaire, en effet, c'était plus facile, un usage plus facile dans l'interface classique que dans la nouvelle interface, mais peut-être ça oblige à revoir ses pratiques et se dire maintenant les périodes qu'on laisse ouvertes, c'est les périodes du mois en cours, voire du mois moins 1. En revanche, ben, on clôt les périodes un peu plus loin dans le temps pour éviter justement d'avoir ces retours arrière, etc. Et en effet, si avec le mode d'affichage actuel, on veut reculer de 3-4 mois en arrière, ça oblige à quelques manipulations. Eh bien, merci à vous d'avoir pris un petit peu de temps pour participer à cette présentation. Je pense que ça vous a motivé pour basculer vers la nouvelle interface. Encore une fois, trois quarts d'heure, c'est très court. Mais on a essayé de vous présenter les éléments essentiels. Alors, je vous remercie à tous pour votre présence et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.